Bonsoir et merci à vous d'être si nombreux ce soir malgré toutes les inquiétudes qu'on n'arrête pas d'entendre. Mais en tout cas, on, on sait que dans le judaïsme les noms ont une importance qui est particulière. Le nom d'une personne ou le nom d'un objet instruit indique quelle est la valeur de ce qui est en train de se passer ici. L'histoire de Pourim, si tu veux lundi et mardi, lundi soir et mardi prochain, l'histoire de Pourim elle est appelée dans la Mishnah, dans la Gemara, elle est appelée Megillah Tester. Le rouleau d'Esther. Cette expression Megillah esther demande un tout petit peu d'explication. On sait très bien que le personnage clé de l'histoire, c'est bien évidemment Esther. Néanmoins, on voit bien que Mordechai va venir instruire Esther, l'aider. Tout début de la Megillah, on va découvrir que Mordechai va venir la nourrir, il va venir l'accueillir. Elle était orpheline de père et de mère. Elle va être accueillie dans, le, dans la maison de, de Mordechai. D'après certains, elle va devenir l'épouse de Mordechai. D'ailleurs, même dans la Megillah, et vous le voyez dans le texte, on dit ⁇ Et Ma'amar Mordechai osa ». Ce que Mordechai lui ordonne de faire, Esther obéit, elle suit les instructions, elle suit fidèlement les instructions de Mordechai. Donc en fait, l'histoire de la Megillah, elle commence à venir décrire l'existence d'un juif qui s'appelle Mordechai, qui habitait cette, la capitale de l'empire de Achashverosh, dans la ville de chouchan La Megillah continue, comme je disais tout à l'heure, et on nous dit, on nous raconte, que ce soit dans le texte, soit travers le Midrash, que Mordechai va venir nourrir, prendre soin, accueillir sa nièce, un membre de sa famille, Esther, qui était orpheline. Et lorsque Esther va être prise au palais, Achashverosh, cherchant une épouse et trouvant que la, la, la meilleure sera Esther, il va la prendre. Alors Mordechai, avant du complot contre Achashverosh, euh, il a vendu complot contre le peuple juif un peu plus tard dans la Mégilla. Il va transmettre ses informations à Esther, il va convaincre Esther d'intervenir. Et Mordechai, tout ce qu'il ordonne à Esther de faire, Esther obéit aux directives et aux conseils de Mordechai. La question qu'on a en droit de se poser, elle est la suivante. La Mégilla, elle devrait peut-être plutôt s'appeler Mégillat Mordechai. C'est l'histoire de Mordechai. Esther ne fait a priori qu'obéir aux instructions. Du Gadol adore, du leader de la génération, qui était Mordechai. Donc finalement, l'histoire, c'est certains personnages clés, mais Mordechai est tout aussi important. Donc en fait, la Megillat devrait s'appeler Megillat Mordechai, ou Megillat Mordechai Esther. les plus fidèle à l'histoire du texte. Mais non, on voit que le nom du livre, c'est Megillat Esther, c'est l'histoire d'Esther, et pour l'histoire, ça sera uniquement et exclusivement Esther. Maintenant, un pas tout le monde ne le sait, mais à Chanukah, il y a aussi une Megillah. Il y a aussi une histoire qui a été rédigée qui s'appelle Megillah Tanturus. Elle est lue dans certaines, ou elle était lue dans certaines communautés, mais ce livre qui s'appelle Megillah Tanturus, qui retrace l'histoire de Chanukah, du miracle de Chanukah, n'a pas été inclus, n'a pas été intégré dans le canon biblique, n'a pas été intégré dans le Tanakh, dans les 24 livres qui sont Torah, Nevim et Ktuvim. On a les cinq premiers livres de Moshe Benou de à Advari, mais ensuite, depuis Yoshua, Shoftim, etc., jusqu'à la Esther, mais l'histoire de, de Chanukah n'est pas rentrée dans le Tanach. On aurait pu, à l'image de Chanukah, Megillat Antiochus, on aurait pu l'appeler Megillat Achashverosh, l'histoire dans l'empire d'Achashverosh. Mais qu'est-ce qu'on voit On voit que le, le livre, le récit de, cette histoire, le récit de cet événement, quand il a été couché par écrit, il va porter le nom de Esther et ce pour l'éternité, c'est-à-dire que la vie d'Esther, l'enseignement d'Esther, il est intimement lié à toute l'histoire de Pourim. C'est pour ça que l'histoire de Pourim, elle prend le nom de Megillat Esther. La Gemara dans Megillah, elle nous raconte une histoire incroyable. Elle nous dit qu'Esther, après la victoire, Esther va envoyer une missive aux sages de l'époque. Elle va envoyer une missive aux Sanhedrin, à la plus haute Cour de justice, la Cour suprême de justice, qui dirigeait encore le peuple juif, et Esther va demander au Rachamim, va demander aux sages, qu'va les Dorotes Fixez mon histoire, faites en sorte que mon histoire existe et ce pour l'éternité. Elle va demander au Rachamim, faites en sorte que mon histoire devienne un Yom Tov, un jour de fête, un jour de remerciement, un jour de célébration de gratitude, que ça devienne littéralement un Yom Tov, un jour de fête. les, les, les sages vont venir dire à, à, à Esther, ils vont venir lui dire la chose suivante, c'est quelque chose de difficile pour nous, on n'accepte pas de le faire. Il faut savoir que ces sages, ce n'était pas n'importe quel sage, ils formaient ce qui s'appelle le Sanhedrin, la, la plus haute cour de justice qu'il y avait, on avait vu dans le, les cours les grands débats du judaïsme, on avait vu le Sanhedrin, c'était des sages qui avaient été ordonnés, ils avaient reçu leur smicha par d'autres sages qui ont reçu leur smicha, qui ont été ordonnés jusqu'à, on remonte une chaîne. Continue jusqu'à Moshe Rabbeinu, ininterrompu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc, en fait, ce qui donnait au judaïsme quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, avec beaucoup plus de vitalité, ça créait une intimité, on va dire, avec la révélation du Sinaï, qui était bien plus importante que des sages ultérieurs. Maintenant, on a des juifs, tout le peuple juif qui se trouve dans l'empire de Achachverosh, dans l'empire perse. Après la défaite de son prédécesseur du monarque babylonien, les juifs ont à leur tête un juif qui s'appelle Mordechai. On a une époque où il y a des autres membres du Sanhedrin qui sont très connus, que nous connaissons. Chagui, Malachi, les, prophètes qui, les derniers prophètes qui apparaissent dans le Tanakh, Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, etc. qui vont marquer d'ailleurs le retour des juifs en Erette Israël, un peu après ou assez longtemps après l'histoire de Pourri. En tout cas, Esther, elle se tourne vers ses sages et elle leur exige « inscrivez mon histoire pour l'éternité, je ne veux pas disparaître ». Les Chachamim lui répondent « absolument pas Pourquoi ». Pourquoi ça va provoquer de l'antisémitisme, de la haine. On va susciter de la jalousie dans le monde. Pourquoi aller raconter et écrire un livre d'histoire qui fera partie du canon biblique des 24 livres de la Torah, dans lequel on est en train ici d'écrire la chute de Haman, la chute de Amalek, la chute de ce que nous appelons des antisémites Pourquoi souffler sur les braises de la haine du juif Mieux vaut garder pour Him comme histoire du peuple juif, de manière discrète et de manière silencieuse. Et Rachi, sur cette Gemara, Rachi vient souligner la chose suivante. Rachi demande sur quel événement elle, elle voulait qu'on fixe une date, qu'on fixe un Yom Tov. Et Rachi explique la chose suivante est-ce que c'était la pendaison de Haman Est-ce que c'était le, le, le fait d'avoir tué ses dix enfants Est-ce que c'est le fait d'avoir déjoué les plans d'Aman Est-ce que c'est le fait d'avoir tué, tué tous nos ennemis le 13 du mois d'Adar Est-ce que c'est le fait que Mordechai soit devenu le vice-roi J'essaye par là de reprendre. Rapidement toute l'histoire de, de Pourim. Pourquoi faire une telle chose Les Khamim lui disent On est très heureux, ça restera dans notre mémoire, mais on ne peut pas l'inscrire, on ne peut pas en faire promotion, on ne peut pas le mettre sur Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux qui, qui existaient à l'époque et dire Voilà, Hachem nous a fait gagner cette guerre et nous avons tué tous nos adversaires. Ça va susciter beaucoup, beaucoup de haine et de jalousie. C'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Qu'est-ce que leur rétorque Esther Esther leur dit Mais ils le savent déjà tous. C'est déjà dans leur chronique, dans leur livre d'histoire, les non-juifs connaissent déjà toute cette histoire. Vous pensez leur cacher, mais ils le savent déjà. Donc en fait, ça ne se passe que dans votre esprit. Laissez le peuple juif savoir, et ce pour l'éternité, l'histoire, la teneur des événements qui sont passés au moment de ce que nous appelons nous pourris. Esther, elle continue, elle dit au Chachamim, non seulement je veux que vous instauriez une fête, un Yom Tov pour moi, mais je veux un texte. Avec tous les détails de l'histoire, et que ce texte, la chose sur laquelle on a le plus, on a le plus grand yétserah, la plus grande tentation de ne pas faire, c'est d'étudier la Torah. Quand une personne s'investit dans l'étude de la Torah, toutes les portes lui sont ouvertes. Quand quelqu'un a cette ambition de connaître encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, de forger son esprit, son cœur, sa psyché, à cette discipline qui s'appelle l'étude de la Torah, le monde est à lui. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus difficile. Pour revenir à ce qu'on disait, Esther, elle va dire la chose suivante Non seulement je veux que vous instauriez un jour de fête, mais je veux que tous les détails de mon histoire fassent partie de ce qui s'appelle le Tanach, ça soit un livre, qu'il soit à Kodesh, un écrit saint. Alors les Chahim vont lui dire en citant un verset dans Michelet, ou dans le verset, c'est un peu difficile de comprendre, comme le, le, le note les, les différents Mefarshim sur ce daf de Gemara. Le verset qui est rapporté, on ne voit pas bien le lien, mais en tout cas, le verset qui est rapporté, il dit que trois fois, on cite dans la Torah le fait d'effacer la descendance de Amalek. La première, c'est dans Parashat Béchalach. La deuxième, dans Kitetsé. Et la troisième, c'est dans la on va dire Shabbat Zachor. C'est l'histoire de Shmouan, la Navi, de Samuel le prophète qui va venir tuer, assassiner tous les Amalekites qui existaient à son époque. Donc les Khamim lui disent on a reçu par tradition, le CSA nous, nous indique, que l'histoire d'anéantir Amalek apparaît trois fois dans le Tanakh. Trois fois, et pas quatre fois. Donc on ne peut pas rajouter encore une fois un épisode dans lequel dans la Torah dans lequel on vient encore mentionner Amalek. Ensuite, le Sanhedrin va enquêter, nous dit l'Agmara, et va trouver un autre verset dans la Torah, où il est dit « Ktov zot zikaron écrit ceci en tant que souvenir dans le livre. L'Agmara va venir dire ici « On a une redondance » De quatre mots, ce qui signifie que l'histoire d'Amalek, elle peut répéter une quatrième fois, ça, sûrement, ça doit sûrement être l'épisode de Esther, donc les rachamim vont accepter de rédiger cette histoire et de l'inscrire, de l'intégrer à l'intérieur du Tanakh. Ce qui explique, a priori, ce qui explique pourquoi la Megillah s'appelle Megillat Esther. Parce que celle qui s'est se, investie, qui s'est battue auprès des rachamim pour écrire, instaurer cette fête que nous connaissons tous, comme le jour de. pourri. La question qu'on a maintenant, c'est pourquoi Esther, elle, s'est donnée tant de mal Pourquoi Esther, elle, allait si loin vis-à-vis -vis des rachamim Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit d'Esther d'aller au-devant des rachamim, de leur envoyer des missives, telles qu'on le voit euh, dans, dans les mots de l'Agmara, et d'insister, et de ne pas accepter le refus des rachamim Elle insiste jusqu'à ce que les rachamim vont céder à sa demande. Encore une fois, le fait que ce soit elle qui demande, qui insiste tant... Ça indique qu'il y a un lien spécifique entre cette histoire et Esther, quelque chose qu'on essaiera de découvrir, quelque chose de nouveau qu'on essaiera de découvrir ensemble ce soir. On va essayer de changer de sujet, on ne va pas s'éloigner, on va revenir à la veille de Pourib, c'est-à-dire lundi. Lundi, si Dieu veut, sera le 13 Adar, le jour de jeûne, que nous appelons Taanit Esther. On a le droit de se poser la même question à nouveau pourquoi le Taanit, Pourquoi le jeûne s'appelle Taanit Esther, le jeûne d'Esther les autres jeunes dans la Torah, dans le judaïsme, en général, portent le nom de la date. Le 17 Tammuz, le 9 Av. Ensuite, on a, on a Kippour, on a le jeune de Gedalia, qui est le jour du le lendemain de Rosh Hashanah. On a va -e Tevet, le 10 -e Pourquoi le jeune porte le nom d'Esther La plupart des... Lorsqu'on lit le texte de la Megillah, la plupart des personnes qui vont lire le texte de la Megillah, et peut-être vous pensez à cela, c'est qu'en fait, lorsque Mordechai dit à Esther, « Il est temps pour toi d'intercéder auprès du roi », Esther lui dit, lui répète le protocole qui était en vigueur chez Achashverosh, que si on n'a pas été appelé chez le roi, on s'y présente et le, que le roi ne tend pas son sceptre, alors on ressort plus court d'une tête. Ils étaient à l'époque directs, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc Esther lui dit, si je me rends dans la salle du trône et que le roi ne tend pas son sceptre, on va, on va me tuer. Donc Mordechai va venir la convaincre d'y aller. Lorsqu'elle accepte d'aller... Qu'est-ce qu'elle demande Esther à Mordechai Va réunir tous les juifs et demande leur de jeûner. Et de jeûner pour moi pendant trois jours. Et elle dit que moi aussi, avec mes servantes, avec les jeunes filles qui l'accompagnaient, nous aussi, on va jeûner pendant trois jours. Le troisième jour, Esther va changer d'habit, elle va revêtir ses habits de, de reine et elle va rentrer dans la salle du trône. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc, on pourrait penser que c'est Esther qui initie ce jeûne. Elle demande... À la communauté tout entière, à tous les Juifs qui habitent dans le royaume d'Achajveros, c'est-à-dire tous les Juifs qui habitaient dans le monde à cette époque-là, elle propose cette idée. Mordechai la met en pratique. Et a priori, c'est la raison pour laquelle nous jeûnons au jour d'aujourd'hui. En réalité, on est confronté à différentes contradictions lorsqu'on est en train de dire ça. Le... Si on fait attention, quand le décret de Haman est intervenu, quand cette histoire arrive, cet épisode-là, où Mordechai entend ce que Haman fomente, Lorsqu'il essaie de convaincre Esther à rentrer dans le palais du roi, ça sert à quelle date de l'année Si on fait attention, c'est la veille de Pessah. Aman décide que le génocide, le fait d'exterminer tous les juifs dans l'Empire perse, il va tirer au sort une date, ça sera le 13 Adar. mais il est 11 mois auparavant. C'est-à-dire que lorsque le décret sort, on est 11 mois auparavant, on est à la veille de Pessah. Le décret est scellé le 13 Nissan, 11 mois auparavant. Donc, en fait, du 13 Nissan au 13 Adar, au 13 Adar suivant, on a 11 mois. Mordechai, il entend le décret, je répète, il transmet l'information à Esther, elle prend peur, refuse d'aller voir le roi, il va la convaincre, il va, convaincre euh, il va la convaincre, il va lui dire, c'est peut-être toute la raison pour laquelle, vous voyez dans le texte en français de la Megillah, toute la raison pour laquelle tu es devenue la reine, c'est parce qu'en fait, c'est le moment où il va falloir intercéder, elle accepte, elle demande à Mordechai, fait en sorte que tout le peuple juif puisse jeûner et elle entre dans la salle du trône. Les jours de jeûne, il y a deux versions, mais les jours de jeûne sont le 14, 15 et 16 Nissan ou le 13, 14 et 15 Nissan. La veille de Pessah et les deux premiers jours de Pessah ou un peu plus tôt que Pessah et le premier jour de la fête de Pessah. Ah, vous allez me dire mais comment on jeûne Pessah On a tellement de mitzvah, de mitzvot, pardon, qui sont l'acte de la mitzvah, c'est manger il n'y a pas certes le corban Pessah, mais il fallait manger la matza, il fallait manger le maror, il fallait boire des coupes de vin. Comment ils ont pu jeûner? Alors, c'est ce que, il est dit dans la, dans la Megillah, « va y avoir Mordechai, et on va venir interpréter ce verset en disant, et Mordechai transgressa, il transgressa le fait de, de ne pas manger le jour de Pessah. Esther va venir lui dire, s'il n'y a pas de juifs, le jour de Pessah, à quoi bon? Donc on va jeûner, pour avoir le mérite nécessaire et que je puisse rentrer dans la salle du trône. D'ailleurs, dans la lalacha, on retrouve que le deuxième cédère, Il est bon de rajouter quelque chose de supplémentaire qu'on n'a pas l'habitude de manger ou de prendre en commémoration des jeunes qu'Esther a fait. D'ailleurs, si on fait attention, lorsque Mordekhaï, lorsque pardon, Esther, elle va inviter, quand lorsque le roi va lui dire qu'est-ce que tu veux, jusqu'à la moitié du palais, je suis prêt à t'offrir, qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui dit, voilà, que le roi accepte, ainsi que son premier ministre, Amman, de venir participer à un festin. Ce festin, c'est Mishte Il y avait surtout du vin. Elle leur a servi ce qu'elle leur a servi. Et de l'autre côté, elle, elle a sûrement bu un vin qui était Glade Kacher, la merdrine, Badatz. Et elle en a profité pour casser le jeûne et pour pouvoir boire les quatre coupes de vin, les Arba du Céder, parce que c'est pour tous les autres juifs. C'était le Céder, ce soir-là. Mais peu, peu importe l'opinion. Ces trois jours de jeûne ne correspondent pas à ce que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, dans la Lacha, la Lacha indique que lorsque je veux jeûner et pour une certaine raison je ne peux pas jeûner, le jour que j'ai choisi de jeûner ou le jour qui m'a été imposé de jeûner, je ne dois jamais avancer le jeûne, je dois toujours le repousser. Il ne peut jamais être plus tôt, il doit toujours être plus tard. Pourquoi on fait ça Pourri, mais on le fait plus tôt Parce que le 14 Nissan de toute manière, ce sera le jour de Pourri. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire le mot Ta'ani Tester Pourquoi ça porte son nom dans Maserhat Sofrim, qui est d'ailleurs la source du Shroh et d'autres, il est rapporté que certains jeunes, lundi, jeudi, lundi, les semaines d'Adar ou avant ou après, euh, Nissan, ça sera une chose qui est impossible parce que la a interdit de jeûner, mais en tout cas en souvenir des Tani Tester. Le Abu Draham vient expliquer que le Tani Tester, le jeûne que nous faisons ce lundi, n'a rien à voir avec les jeûnes qui sont rapportés dans la Megillah. Rappelez-vous, après la mort d'Aman, on pend aman, on est tous contents quand on lit la Megillah, surtout à la fin du jeûne, parce qu'on on se dit ça c'est le, le début de la fin. Mais lorsque euh, Achashverosh accepte de tuer aman qu'est-ce qui est en train de se passer La mort d'Aman est un heureux événement qui a dû réjouir bon nombre de juifs, ce n'est pas la totalité des juifs. Mais est-ce que l'inquiétude des juifs était complètement passée C'est comme si pendant la seconde guerre mondiale, Eichmann ou Mengele ou Goebbels... Aurait été assassiné, aurait été tué, ça aurait arrêté la guerre pour autant. Ils ont construit, ils ont été les architectes de ce que malheureusement on a connu, comme Aman a été l'architecte du complot contre les juifs. Mais une fois qu'il est assassiné, ça ne change pas. D'ailleurs, ce qu'on voit au huitième, au dernier, à la fin de la Megillah, c'est que l'orchestre demande à Rachverosh annule le décret d'Aman. Maintenant, Aman a été pendu, ses enfants ont été tués, il n'y a plus, Amalek n'est plus là. Esther lui demande d'annuler le décret. Qu'est-ce que répond Achashverosh Je ne peux pas. Le décret a été scellé. Et un décret qui a été scellé par le roi, on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose que le roi va donner, va accepter de faire pour Mordechai et pour Esther, c'est qu'il va permettre aux juifs de s'opposer, de se lever, de prendre des armes, de se préparer, de se défendre contre ceux à qui il avait de l'autre côté donné la permission d'attaquer tous les juifs. Donc lorsqu'un an plus tard, le 13 Adar arrive, les Hamas se... Les qui vont suivre, qui suivaient Aman et sa philosophie, vont se lever contre les Juifs par ordre de joie de les assassiner. Seulement, la différence est qu'il y a eu toute une année, 11 mois qui, qui sont passés. 11 mois dans lesquels Mordechai est devenu maintenant le Premier ministre. Aman a été pendu, c'est Mordechai qui est devenu le Premier ministre. Esther, c'est la reine juive de l'Empire. Ils ont le roi de leur côté. Donc, beaucoup, beaucoup d'ennemis, c'est un point qu'on ne fait pas très attention à ce point-là, mais beaucoup d'ennemis se sont refroidis, se sont dit maintenant, la conjoncture politique, la situation politique a changé. On va pas s'en prendre aux juifs. La reine est juive. Le premier ministre est juif. Bon, certes, il y a un ordre du roi, mais de l'autre côté, le roi a également donné aux juifs la permission de se défendre. L'aura d'Esther et de Mordechai est telle que ce, cela aura raison de beaucoup, beaucoup de nos ennemis. Donc, en fait, le, 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 les habitants du régime, de l'empire d'Achashverosh ressentent que les autorités, le gouvernement... N'insiste plus sur la nécessité de tuer tous les juifs. Mais malgré tout, le Abu Dram vient nous dire la chose suivante. Le Abu Dram vient nous dire la chose suivante. Il y avait une tradition qui a toujours existé, qui remonte à Moshe Rabbenu. Lorsque Moshe nous part en guerre contre Amalek, Moshe nous ordonne de jeûner. Lorsque les juifs allaient en guerre, il y avait une coutume qui est devenue une halacha, de faire un jour de taanit, d'instaurer un jour de jeûne qui est propice à ce que nos requêtes, nos prières, elles soient entendues dans le ciel. Pour avoir la réussite qu'on attend le jour d'une guerre, pour avoir le mérite, le srout, qu'il nous faut pour gagner, vaincre cette guerre et que tous nos soldats reviennent sains et saufs, alors on avait l'habitude de jeûner. Pour qu'on soit victorieux de cette guerre, on avait l'habitude d'instaurer un Tanit. Un Tanit, c'est un être c'est un moment qui est propice dans lequel nous faisons Tchouva, nous revenons vers Akadosh où nous prions, nous jeûnons. La seule chose à laquelle nous sommes investis ce jour-là, c'est de prier, de se tourner vers Akadosh -Borh. Donc en fait, le jour, un jour de guerre, c'était un jour de rassemblement, un jour de prière, un jour de jeûne. Maintenant, la Bouddhraam nous dit je comprends pourquoi on jeûne le 13 du mois d'Adar. Parce que le 13 du mois d'Adar, qu'est-ce qui s'est passé Je viens de auparavant a été donné la permission au peuple juif de prendre les armes et d'aller attaquer, de se défendre, ou d'attaquer ceux qui voulaient s'en prendre à nous. Donc c'était une guerre pour le peuple juif ce jour-là. Et comme la coutume ou la halakha l'indique, jour de guerre, c'est jour de ta'anit. Pour qu'Akadosh borch qu accepte notre filotte, il accepte nos prières. Donc dit le Abu Draham, puisque le 13 Adar était un jour de guerre, donc on avait instauré ce jour-là un jeûne pour qu'on ait le mérite, le sroud nécessaire de pouvoir gagner et sortir victorieux de cette guerre. C'est pour cela que nous jeûnons. Donc ce même rame, ce même ce même commentaire, qui est d'ailleurs ramené dans Mishnah Mishnabrora, dit que nous ne jeûnons pas le 13 Adar, c'est-à-dire ce lundi, en commémoration des trois jours de jeûne d'Esther, tel que c'est raconté dans la Megillah, mais pour une autre tradition qui appartient au judaïsme, qui s'appelle « "Celle de jeûner le jour où nous sommes, où nous allons en guerre ». Maintenant, si j'aimerais revenir un tout petit peu à la question du début de notre cours, quel lien avec Esther donc Pourquoi Tani Esther C'est pas lié à Esther, c'est lié à une vieille tradition qui a toujours existé depuis cher abénou que lorsque nous allons en guerre, il nous faut jeûner. Donc ça n'a plus aucun rapport avec, euh, avec Esther. Donc pourquoi ce jeûne s'appelle Tani Esther On dirait qu'ils ont fait un prix de gros puisque déjà Megillah Esther, alors on va faire aussi Tani Esther. Mais a priori, si on rentre dans le détail, on voit que la Megillah elle a certes insisté, elle a initié le projet Megillah. Le projet Megillah, oui, faut reconnaître, il appartient à Esther. Celle est qui s'est battue, de manière bien évidemment pacifique et respectueuse, avec les rachamim pour que les accepte acceptent que la Megillah existe et qu'on ait la fête qui, 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 qui est la fête que nous connaissons aujourd'hui. Mais le 13 Adar, c'est presque une tradition, une halacha antérieure à Esther. Le jour où on part en guerre, c'est un jour de rassemblement, il n'y a pas de lien direct avec elle. Pourquoi Le jour du jeûne porte son nom, Tanit Esther. On va essayer de, de découvrir ensemble une très très belle explication du rabbi, dans lequel j'ai pas retrouvé la date, mais dans lequel un certain a une certaine année, le jour de Purim, le rabbi a déclaré que depuis quelques jours il avait il était perturbé par cette question pourquoi le tannit le jeune s'appelle esther et que le jour même de Purim il dit j'ai trouvé la réponse et voilà ce que le rabbi nous dit. Il dit que tout ça apparaît dans la Tosefta. Et que dans cette Tosefta, qui est rapportée dans le Shulchan et dans d'autres sources, on nous dit que les jours de jeûne, on doit augmenter. On doit avoir plus de srout, plus de mérite, pour qu'on puisse sortir victorieux de cette guerre. Le jour lorsque le peuple juif se met à jeûner, ça devient un etratson, un moment qui est propice pour que notre filonne, nos prières, nos requêtes soient entendues par Akkadoshbor. Seulement, la même Tosefta nous dit que qui était censé jeûner la Tosefta nous dit que ceux qui partaient en guerre, les soldats, bien évidemment, ils ne pouvaient pas jeûner. Ces derniers se devaient de garder toute leur force physique, et donc ils ne pouvaient pas jeûner, ils ne pouvaient pas s'abstenir de boire et de manger, ce qui les mettrait en danger. Ils devaient garder leur capacité, parce que le fait de jeûner, dit le, la Tosefta, via, elle fera en sorte de venir casser, affaiblir leur force. Ils devaient garder toute leur capacité. Aller demander à un soldat qui est au front, ne mange pas pendant 24 heures et ne boit pas. Surtout au Moyen-Orient, on ne boit pas une goutte d'eau. Impossible. Donc en fait, qui jeûnait à l'époque Les personnes qui n'allaient pas à la guerre pour X ou Y raison. Les vieillards. Les, jeunes, les, les, les personnes qui étaient plus jeunes que d'être des soldats enrôlés par l'armée. Les femmes jeûnaient. Mais en tout cas, ceux qui n'étaient pas au front, c'est ceux qui faisaient le tanit. Ceux qui allaient au front, qui partaient en guerre, ne faisaient pas le tanit. Ah là, Tosefta nous explique. Qu'est-ce que faisaient les soldats Les soldats faisaient en sorte de prendre la décision. Avant d'aller en guerre, que lorsque je reviendrai de la guerre, alors, Bezrat Hashem, je ferai un jeûne, je respecterai le jeûne un peu plus tard. Et comme on sait que Marshavat Tova, Akadosh borou Metzarfal Maase, que toute bonne pensée, quand je prends une bonne résolution, je décide de faire une chose, alors Akadosh borou considère déjà comme si que j'avais le mérite, comme si que j'avais déjà accompli la chose. Donc Akadosh borou considérait que le soldat avait déjà ce qui lui apportait, un srout, un mérite qui était particulier, pour que ce mérite puisse l'accompagner durant la guerre. Et donc après la guerre, les soldats venaient à jeûner. Maintenant, le rabbi nous invite à réfléchir à ce qu'on vient de dire. On a pris une Donc, je répète, ceux qui partent à la guerre prennent la décision de jeûner plus tard, mais ils ne peuvent pas jeûner les jours de combat pour ne pas affaiblir leurs forces. Ceux qui ne vont pas, peu importe pourquoi, mais peu importe pourquoi ils ne vont pas, ceux qui restent, ils ne vont pas en guerre, alors se devait de jeûner. Très bien. Le 13 Adar, où se trouvait dans l'empire d'Achashverosh la ligne de front Où se trouvait le combat géographiquement Il était où le combat La guerre lancée par Aman, bien que lui-même ne soit plus de ce monde au moment où on est en train de parler, qui fut ciblé par cette guerre La Megillah nous le dit très clairement la Hashmi, la Harog ou les Abed, pour venir exterminer, tuer, faire disparaître hommes, femmes et enfants, 100% des personnes, plus aucun Juif. Un bébé dans son berceau était une cible. Un vieillard, assis sur sa chaise, qui ne pouvait pas bouger, il était aussi une cible, comme un homme qui était plus jeune, comme une femme qui était plus jeune. Donc la ligne de front, elle était où Il n'y avait pas un combat qui était une zone géographique, une zone de combat, comme on appelle ça aujourd'hui. La zone de combat, c'était la cuisine d'une maman juive, c'était la cave d'une famille, c'était leur salle à manger, c'était leur bureau, c'était leur synagogue, c'était à l'intérieur. C'était à l'extérieur, dans les rues, c'était là où le juif, l'être juif se trouvait, peu importe lequel, peu importe son âge, peu importe sa condition, peu importe son degré de religiosité, ils étaient tous des cibles de nos ennemis. Donc maintenant, je me pose la question suivante, dit le rabbi. Si la exige que celui qui part au combat ne peut pas jeûner parce que ça va venir l'affaiblir, qui a jeûné le 13 Adar Ils étaient tous concernés par le, le combat. Un enfant, il était concerné par le combat. Une mère de famille, elle était aussi concernée par le combat, parce qu'elle devait garder, à portée de main, un couteau, même un vieillard qui était assis, il devait garder sa hache ou son couteau pour se défendre, il savait qu'ils allaient, ils étaient tous les cibles de nos ennemis. Donc en fait, puisqu'ils avaient l'ordre de devoir se défendre pour sauver leur vie, ils étaient tous des cibles, et donc, à ils ne pouvaient pas jeûner pour pas pouvoir, afin de pas affaiblir les forces qui étaient les leurs à ce moment-là. Donc en fait, puisqu'Aman, à cibler 100% des personnes, civiles ou non, c'est-à-dire tout le monde. Donc ça veut dire que le peuple juif tout entier est devenu une cible, donc tout le peuple juif tout entier est devenu, chaque être juif est devenu un soldat pour défendre sa propre vie. Donc en fait, le jeûne du 13 adar, c'était un, un jeûne virtuel, c'était un jeûne théorique. Ils ont peut-être pris ou sûrement pris la décision de jeûner plus tard, mais en réalité, personne n'a jeûné ce jour-là. Je reprends. Habituellement, on a une ligne de front, on envoie des troupes, des soldats, vers un certain endroit. La Megillah, on comprend pourquoi elle porte le nom d'Esther. Le Tanit, j'ai un peu de mal. C'est là où on en était. Donc maintenant, si je, je, si je reviens à ce qu'on était en train de dire, le jeune du 13 Adar. revenons en arrière, j'accepte de refuser. L'hypothèse que nous jeûnons pour commémorer les trois jo jours de jeûne. Très bien. On a vu que c'était difficile à accepter. On me dit c'est parce que c'était la coutume, la halacha, qui indique qu'on doit jeûner lorsqu'on part en guerre. Mais finalement la guerre, elle concernait 100% des personnes. Donc en réalité personne, concrètement, n'a jeûné ce jour-là. C'était sourd de jeûner. C'est pas seulement une indication, une invitation, on ne jeûnez pas si vous partez en guerre. C'était qu'un soldat n'a pas le droit de s'affaiblir et donc il se doit de manger et il a l'interdiction de jeûner ce jour-là. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train ici de se passer On n'a pas de démarcation de ligne de guerre qui est claire. Ce, qu ce, ce que le, le bon sens nous indique, c'est qu'il n'y a aucun Juif qui a pu jeûner ce jour-là. On a pris des décisions de jeûner plus tard. Encore une fois, aucun Juif n'a pu jeûner, sauf une personne. Dans tout l'empire Veroche, c'est-à-dire sur la planète tout entière, les Juifs qui habitaient, qui peuplaient la planète à cette époque-là, il y a eu une seule et une seule et unique personne qui a pu jeûner ce jour-là. Qui était-elle Il était une cible comme tous les autres. La seule de one and only, c'était Esther. La seule personne juive dans l'empire d'Achashverosh qui a pu jeûner, qui devait jeûner ce jour-là, qui n'était pas inquiétée par le complot que fomentaient nos ennemis, c'était Esther. Esther, c'était quand même l'épouse de Achashverosh. Elle était à l'intérieur du palais. Elle était, Elle était protégée par le palais. C'était l'épouse qui était tant chérie par Achashverosh. Il était prêt un an auparavant, par deux fois, de lui donner la moitié de son empire. Il aimait Esther, c'est pour ça qu'il l'a choisie. Personne n'allait oser s'attaquer à l'intégrité physique de l'épouse du roi, de la reine. Donc en fait, et c'est magnifique comme explication, ce jour-là, il y a eu une âme qui a jeûné. Il y a une personne qui a pratiqué le jeûne. C'est Esther. Esther Amalka. C'est la raison pour laquelle dit le Rabbi. Le Tanit, ta le jour de jeûne, s'appelle Tanit Esther. Pas pour les jeûnes qu'on a cités tout à l'heure, les trois jours de jeûne. Pour la coutume ancestrale, ancienne qui existait. Depuis mon cher, nous jeûner le jour de jeûne. Ah, personne n'a jeûné. Oui, mais la seule personne qui a dû jeûner, c'était bien évidemment Esther. Les autres ont jeûné à travers leur résolution, leur décision de jeûner plus tard. Mais la seule qui a effectivement jeûné ce jour-là, c'était Esther. C'est incroyable. Le 13 Adar, la seule âme juive qui a jeûné ce jour-là, c'était Esther. Gardons à l'esprit que chaque juif a été une, été une cible par le décret de Haman. Je trouve cette explication magnifique. Tout ceci nous mène vers la prochaine étape. Il y a toujours une prochaine étape. Cette idée, elle va nous aider à apprécier la différence entre d'un côté Mordechai et tous les juifs et de l'autre côté Esther. Il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui se, qui se disent, et, et, et moi-même, je me suis toujours demandé, avec les enfants ayant beaucoup de filles, grâce à Dieu, les petites filles, elles veulent tous se déguiser en Reine Esther. Oui, je me suis toujours demandé, mais, mais on leur a... On leur a donné qu'une partie de l'histoire, l'histoire d'Esther, elle est particulièrement triste. Elle est particulièrement triste. C'est comme cette dame qui a demandé un jour à son, à son rabbin, elle lui a dit, le jour de Pourim, je suis particulièrement triste. Il a cru que c'était à cause de tous les gâteaux. Vous vous rappelez cette époque C'est fini aujourd'hui. Cette époque où nos mères, elles... Euh deux mois avant, avant déjà tout déjà, elle commençait à préparer les gâteaux pour les manot, des gâteaux qu'on allait exterminer le lendemain de Purim, parce qu'il fallait déjà se préparer à Pessah. Mais elle se donnait tant et tant de mal pour faire tous ces manot. Mais ce n'était pas ce qui inquiétait cette dame. Elle a dit « Tous les ans, je pleure pour rester le jour de Purim. Pourquoi Allez, Parce que regardez ce qui se passe dans la Megillah. On s'inquiète au début de la lecture de la Megillah, on s'inquiète, on s'inquiète, on s'inquiète. On revoit notre histoire, on voit l'histoire du peuple juif et après on voit que finalement, tout passe. On va se réjouir, la guerre est finie, on a gagné la guerre, c'est la fête, tous les, tous les juifs se retrouvent, la youdi, maïto, rav la joie, l'allégresse et tout ce que ça peut représenter pour nous. Mais attendez, on a oublié notre héroïne. Elle est où Esther lorsqu'on finit la Megillah Qu'est-ce qui se passe nous On lit la Megillah le, le soir on casse le jeûne, on est content, etc. Le lendemain, on lit la Megillah le matin, après, on fait le Mishte, Mishloach on s'échange des cadeaux, des mets, on se fait plaisir les uns aux autres, on n'oublie pas ceux qui sont dans une situation qui est défavorable pour eux. Maintenant, on est les on est entre nous, c'est une grande fête, et en fin de journée, on fait ce qui s'appelle le Mishte, on se réjouit, on dit les chayim et on et jusqu'à littéralement se saouler. Et qu'est-ce qui est en train de se passer On oublie. Où est passée Esther Est-ce qu'Esther, elle est avec, elle, elle, avec le reste du peuple juif en train de, de, de se réjouir Esther, malheureusement, à la fin de l'histoire, lorsqu'on va replier la méguilla, et chacun va rentrer chez soi, Esther, elle reste l'épouse de ce monarque qui est un, littéralement un soulard, un pervers, un mauvais, un moucherade, peu importe les termes qu'on va lui trouver. C'est le pire des hommes, rappelez-vous ce qu'il a fait à sa précédente épouse, Vashti. J'ai été indulgent vers lui avec tous les adjectifs que je lui ai accordés. Qu'est-ce qu'Esther, elle fait Elle reste avec lui jusqu'à la fin de sa vie, on n'entend plus parler d'elle elle va rester enfermée dans ce palais avec cet homme horrible qui est Roche. Et encore une fois, c'est ce que je me demande. Lorsque toutes nos petites filles, nos petites filles, elles veulent s'habiller en Esther Amalka, en, 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 en reine Esther, on ne leur a pas raconté a priori toute l'histoire. Toute c'est une héroïne, mais malheureuse. Cette question, cet étonnement, c'est aussi la réponse. Et c'est toute la différence entre Mordechai, tous les autres juifs, et de l'autre côté, Esther Amalka. Mordechai, il était qui pour Esther Mordechai, c'était un parent pour Esther. C'était son mentor, c'était son guide, c'était son rave. Et lorsqu'elle va devoir rentrer chez, entrer chez, chez Achashverosh, qu'est-ce qu'elle va dire à Mordechai je vais... Ma fin est proche, je risque ma propre vie. Et d'ailleurs, dans beaucoup de communautés, on lit ce verset, Vekacher Avadeti Avadeti, sur l'air d'une autre Megillah, qui est Megillat Echa, qui est le texte que nous lisons le jour du 9 av. Avec un air qui est empreint de deuil, qui est empreint de tristesse. Pourquoi est-ce si triste Rachid nous explique quelque chose de très, très sensible. Voilà ce que Rachid nous dit. Au début de la Megillah, un mariage mixte est bien évidemment interdit dans la Torah. Esther n'a pas choisi, n'a pas voulu se marier avec Achashverosh. Elle a été prise contre son gré, comme toutes les autres jeunes filles de l'Empire de d'Achashverosh, et elle s'est retrouvée confrontée avec cet homme qui s'appelle Achashverosh. Mais durant toute la Megillah, elle est forcée de se retrouver avec cet homme qui s'appelle Mais lorsque Mordechai, qui est son guide, qui est son mentor, qui est son rave, qui est son maître, il lui dit la chose suivante. Maintenant, tu dois rentrer de ton propre gré, de ta propre volonté, dans la salle du trône pour intercéder pour le peuple juif. Elle ne le fait plus de manière passive, elle est active. Dans cette union interdite entre elle, une femme juive, une jeune femme juive à Rachvéroch, pas parce qu'il était roi, mais simplement qu'il n'était pas juif. Dans cette union interdite, elle était passive, elle était sous la contrainte. Peu importe comment la soit dans Megillah ou dans Sanedrin, va venir rapporter expliquer la nature de cette union. Mais concrètement, jusqu'à ce moment-là, elle reste passive dans cette union. Mais lorsque Mordechai lui demande, rentre par ta propre volonté dans la salle du trône. Essaye d'aller le convaincre. Ici, il n'y a pas de coercition, elle rentre volontairement. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de, 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 de dire Comme je serai perdu, je serai perdu, elle le répète. Je suis perdu physiquement et je serai perdu peut-être spirituellement. Peut-être je suis en train ici de vendre mon âme. Je suis peut-être en train ici, avant j'étais forcé de vivre avec lui, aujourd'hui c'est volontairement que je m'inscris dans cette relation. Ce qui fait la différence entre elle et Mordechai et tous les autres juifs. Posons-nous la question qui est, qui est je l'ai entendu de mon maître, mais, mais, mais elle est osée, mais elle est légitime. Imaginez-vous dans les années 30, une jeune fille juive d'une famille classique religieuse, respectueuse de nos valeurs, avec la meilleure des éducations possibles, qui sort du meilleur séminaire ou d'école pour filles à Varsovie ou à Cracovie, et qui est appelée, qui est prise par force pour être emmenée dans la résidence d'Hitler et Marchimot. C'est exactement la même histoire. Et que cette jeune fille saurait que par son influence, par son intervention, elle pourrait peut-être sauver le destin de 6 millions de juifs. C'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire, le mot histoire veut dire des choses qui se sont passées. On a du mal, ou on n'y arrive pas, ou peu souvent, on essaye de réfléchir comment se serait passée l'histoire si, Quel, à quelques détails près, on aurait un peu changé, déformé ce qui a pu se passer. Quelle, quelles auraient été les incidences de ces événements, les influences de ces événements sur ce qui s'est passé Le sage, le chacham, c'est Aroët Anola, c'est celui qui voit le futur. Il ne voit pas seulement ce qui s'est passé auparavant, mais il est en train de regarder devant lui et de se dire. C'est d'ailleurs toute la décision, toute la difficulté d'un leader de prendre des décisions. Lorsque la décision vient à lui, il n'y a rien encore qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Est-ce que quelque chose de tragique va apparaître dans l'histoire ou, ou ça n'apparaîtra pas dans l'histoire Donc il doit prendre une décision. Et souvent les gens oublient que certaines décisions ont été pour nous salvatrices, nous ont aidés, nous ont sauvés, et que grâce à l'intervention de l'un ou de l'autre, alors. Certaines choses ne sont pas passées, on oublie trop vite cela. L'histoire, ce sont les faits marquants qui se sont passés et qui vont venir marquer notre conscience, notre mémoire. Esther, elle quitte son peuple, elle quitte sa nation, elle reste au palais. Jusqu'à son dernier souffle, elle saura, elle a su, que grâce à elle, tous les juifs de la planète sont restés sains et saufs. Donc quelque part, oui, l'histoire d'Esther, elle est triste. C'est une héroïne, quelque part, entre guillemets, malheureuse. Oui, on peut, on peut, y a, on peut accepter cela. La vérité, elle est, c'est qu'Esther elle-même, elle a du mal à comprendre quelle est sa place. Le Midrash dit, c'est rapporté, d'ailleurs, dans l'Agmara, dans, un, dans un, un des Mismorim de Tehilim, on dit là-bas "al Ayelet acharah", et on nous dit que cette Ayelet acharah, cette gazelle, c'est Esther. Et là-bas, il est dit, chapitre 22, 21. Keli, Keli, lama, azaftani. Dans les psaumes, dans les teélis, on a un cri qui semble être un cri de désarroi, dans lequel Esther nous dit le texte, est en train de dire, Keli, Keli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné Le midrash dit la chose suivante. Lorsqu'Esther, elle est kidnappée et elle rentre pour la première fois dans le palais d'Achashverosh, qu'est-ce qu'elle voit N'oubliez pas, c'est une jeune fille qui est la nièce ou l'épouse ou les deux en même temps du rabbi de l'époque. Pas de n'importe qui, elle vient d'une famille ultra orthodoxe, et elle connaît rien au palais, elle connaît rien. Elle connaît rien à tout cela, c'est complètement ça lui complètement étranger. Elle rentre pour la première fois dans le palais d'Ahasuerus, qu'est-ce qu'elle voit Elle voit que des idoles, que des statues d'Avodazara, du culte païen ou des cultes païens qui étaient ceux d'Ahasuerus. À ce moment-là, nous dit le Midrash la Shrina la présence divine, l'esprit divin qui reposait sur Esther la quitte au moment où elle rentre dans ce lieu d'idolâtrie. Et là, Esther, dans ce désarroi, elle l'a pas choisi. Elle a été prise de force. Esther, qu'est-ce qu'elle est en train de dire Kelly, Kelly, Lama Zaftani. Elle demande à Dieu, nous dit le Midrash, tu juges un acte involontaire, forcé, comme quelque chose qui est volontaire Je n'ai pas choisi d'être là. Pourquoi tu me quittes Kelly, mon Dieu, Kelly, mon Dieu, Lama Zaftani, pourquoi tu m'as abandonné ?» Midrash nous dit, Kelly, elle dit, voilà, nos ancêtres sur la mer rouge, quand ils ont traversé le Yamsouf, ils t'ont vu, ils ont pu avoir une perception, une compréhension dans l'émanation de la divinité. Au moment du Harsinai, au moment de la révélation du Sinaï, ils ont vu à Kadosh Borou de la manière dont on sait. Esther, elle est en train de ressentir ici qu'une nouvelle ère, une nouvelle période, un nouvel épisode commence pour le peuple juif. D'ailleurs, Lagmara nous dit, l'époque d'Esther, c'est l'époque qui est... La fin qui représente la fin de la prophétie de la névoie. Il n'y a plus une névime après Esther. Al-Ayelet à al Shachar, Shachar veut dire l'aube. Avant l'aube, c'est le moment le plus obscur de la nuit. Et la prophétie, qui est l'expression la plus claire de la, de la volonté divine, elle disparaît avec la génération d'Esther. La Gemara nous demande où on voit, où on retrouve Esther dans le texte du chumash. dans le Choumash. nous dit, il est dit dans le texte. Aster Astir Panay, Kadosh voilera sa face. Il y a un camouflage, il y a un écran, il y a un voile ici qui tombe. Et Esther, elle demande à Kadosh Morro :« pourquoi tu m'as abandonné Je pas prévu, moi, fille, jeune fille religieuse, j'avais pas prévu cela. J'avais prévu de finir mon séminaire, passer mon diplôme, trouver le meilleur Khatan qui est issu de la meilleure yeshiva et d'avancer, de construire une identité, de construire un couple, un foyer, une famille, et d'amener mes enfants à l'école juive, d'amener mes enfants au Talmud Torah, d'amener mes enfants à la yeshiva C'est ce que j'avais prévu. Cette jeune fille juive, elle n'avait jamais prévu que dans son CV, allait apparaître épouse du souverain, reine Esther... C'était la Esther premier du nom, je l'imagine. Et elle continue, et elle dit plus que ça. Elle dit à Kadosh Borou, tu as changé. L'ordre qui s'est passé chez les matriarches. Elle dit On a eu aussi une mère, notre matriarche, Sarah, qui a été kidnappée et amenée dans un palais étranger. Rappelez-vous Sarah, l'épouse d'Avraham Elle a été kidnappée, elle a amenée dans le, dans le palais de Pharaon. Seulement combien de temps elle est restée là-bas Elle est restée une nuit. Et c'est qu'ils étaient tous malades en, en, en une minute. Et que Pharaon et ses serviteurs ont compris que c'était parce que. Ils avaient kidnappé Sarah et qu'il fallait la rendre à Avram parce que c'était son épouse. Esther est en train de dire, mais à moi, il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. Alors elle dit le mot Kelly, mon Dieu, qui veut dire mon Dieu, trois fois. elle dit la chose suivante, Esther nous dit le midrash. Elle dit, depuis le ventre de ma mère, lorsque je n'étais encore qu'un fœtus, tu as été mon Dieu. Et depuis ce jour-là, j'ai respecté trois mitzvot qu'Akadosh Borro a donné aux femmes. Chala, Nida et Adla Kataner. Khala de prélever la chala, mais qui constitue aussi toutes les lois de la cacheroute. Nida, les lois de la pureté familiale, qui vont donner la pureté, la sainteté, qui vont créer ici ce qui s'appelle les fondements d'une famille juive, le sacré de l'intimité au sein d'un couple, etc. Et ensuite, j'ai dit Nida, j'ai dit chala, et à de la kataner les bougies de Shabbat, qui constituent cette ambiance sainte, qui s'appelle celle foyer, celle d'un foyer juif. Et Esther, elle dit « J'ai jamais transgressé l'un de ces trois interdits. J'ai respecté la lachote, les lois que tu as données à une femme juive. Pourquoi Tu m'as abandonné. » Mordechai, de l'autre côté, c'était un grand homme, un saint homme. C'était la tête du saint C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui invite Esther à respecter ses, instru ses instructions. Mais finalement, où, où il reste Mordechai Où il va évoluer Un peu ou beaucoup au sein du palais du roi. Mais il va toujours rester avec ses frères. Bien qu'il y a l'année dernière, on a deux ans, on a pu expliquer quelque chose d'un peu différent. Mais il n'est pas kidnappé, il n'est pas totalement séparé. Il arrive d'ailleurs à faire une chose incroyable et on l'oublie. Et c'est une chose qu'il faut dire et répéter. Qu'est-ce que fait Mordechai dans les 11 mois du décret Qu'est-ce qu'il fait il, fait il organise un dîner. Bon, ça c'est Esther qui l'a fait. Il organise des réunions publiques, il va à l'Elysée, il va à Matignon, non. Il va y aller, mais ce n'est pas ce qui occupe les médias. Qu'est-ce qu'il fait Il réunit 22 000 enfants. Et il leur apprend la Torah. D'ailleurs, l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui des générations et des générations plus tard va être le seul grand de la Torah à réunir et parler à enseigner la Torah à des enfants, c'est le rabbi. Les réunions de Sivot Hashem, les parades de Lagbaomer, où le rabbi va dire Sichot, le rabbi va enseigner la Torah, il va l'enseigner à des enfants, mais en même temps avec un message qui convient également à des adultes. Entre Mordechai et le Rabbi, on a trouvé très très peu qui vont réunir autant d'enfants et s'investir avec tous ces enfants. En tout cas, pour revenir, Mordechai fait des choses incroyables. Il va se battre, il va changer ses habits, porter des haillons, montrer qu'il est en deuil pour que les Juifs soient sensibles à ce qui est en train de se passer reviennent vers akadosh borou. Mais qui expérimente le fait quakadosh borou se dissimule, quakadosh borou se cache C'est qui qui le voit C'est qui qui en souffle le plus C'est Mordechai qui reste avec le Sanhedrin ou c'est Esther qui voit plus la lumière? Qui est kidnappé dans le palais obscur Ce C'est pas Mordechai. Il y rentre, il en ressort. Mais c'est Esther qui ne peut pas en ressortir. Elle ne peut pas ressortir de cette relation avec ce soulard, cet intoxiqué, ce pervers, cet être immoral, comme on le voit dans la Meghila. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas ce qu'il a fait à une autre épouse à lui, Vacheti. Qui doit convaincre cet homme-là? Qui doit influencer cet homme? C'est Esther. Au moment où Esther elle accepte, faites attention à cela. Au moment où Esther elle accepte d'aller volontairement influencer, convaincre le roi, à ce moment-là, elle devient un être qui est seul au monde. À ce moment-là, on change. C'est plus Mordechai qui va avoir de l'influence sur Esther, c'est Esther qui a de l'influence sur Mordechai. C'est la créativité, c'est l'intelligence, c'est la sainteté, c'est la grandeur d'Esther qui prend maintenant le relais. Et c'est la raison pour laquelle la Megillah, le porte son. Nom. Son rôle maintenant, il est d'un autre calibre et d'une autre nature que le rôle de Mordechai. Le fait qu'Esther, elle soit la seule à jeûner, ça devrait nous donner la, la, la chair de poule. Dieu a fait en sorte que celle qui porte tout le projet, celle qui va venir nous sauver tous, et jusqu'à aujourd'hui, nous, nous sommes les enfants de ceux qui ont bénéficié de l'action d'Esther de pardon mais non cette femme elle est seule dans le palais donc Esther elle est en train l'obscurité s'abat sur elle et elle dit à Dieu qu'ai-je fait pour mériter une telle chose pourquoi je subis une telle chose Kelly Kelly est-ce que je suis une mauvaise personne cette sincérité cette authenticité cette simplicité elle est intéressante parce que vous allez voir elle indique beaucoup elle nous enseigne énormément rappelez-vous Esther et c'est des détails simples mais que, vous savez, on lit la Megillah, allez, en 30 minutes, en 40 minutes. Si vous avez certains, vous, vous, vous avez le mérite d'écouter certains des bachurim de la Ischiva qui viennent lire la Megillah non-stop ici au Bet-Rabad et en dehors du Bet-Rabad, on a certains champions du monde. En 11 minutes, ils lisent la Megillah, sinon ils vous rendent la monnaie. Incroyable. En 11 minutes, vous avez une histoire qui est incroyable, mais pourtant, il s'est passé du temps sur cette histoire-là. Rappelons-nous un point. Esther, elle devient la reine d'Achashverosh, la septième année du règne d'Achashverosh. L'histoire de Pourim, elle intervient cinq ou six ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle Qu'est-ce qu'elle fait, Esther, tout ce temps-là au palais Nous, on a l'impression, quand les gens... Parce que la Megillah, elle va tellement vite, à part dans certaines communautés où ça dure des heures. Mais je connais pas ces communautés. Euh, les, on a l'impression, Lila lit la Megillah, on sait que dans 20 minutes, c'est fini. On a l'impression qu'Esther, elle reine. Le lendemain, il y a le décret d'Aman, Le surlendemain, il y, a le, il y a la guerre. Le jour d'après, il y a la fête. Ça y est, sortent les haïms, sortent les Mashké. Disons, les au offrent des cadeaux les uns aux autres. Ça y est, c'est la fête. Allez, est moi tranquille. On a l'impression que ça prend un quart d'heure sur la montre et c'est fini. On lit l'histoire en 30 minutes, mais l'histoire, elle est beaucoup plus longue que ça. Qu'est-ce que font les gens dans des situations similaires à Esther pendant 5-6 ans, est-ce qu'elle savait pourquoi Est-ce qu'elle savait comment Est-ce qu'elle comprenait le sens à ce qu'elle était en train de vivre Oui ou non Elle ne savait pas. Elle ne savait rien. Lorsque des personnes sont qui, on les kidnappe, on les arrache de leurs proches, des personnes qu'elles aiment, de leur culture, de leurs écoles, etc., de leur nation, de leur peuple, de leur communauté, à quoi se livrent ces personnes-là Eh bien, elles se livrent à l'ennemi. Au bout d'un certain temps, on, comme on dit en français, on capitule baissent les armes, elles intègrent la culture, l'esprit, la philosophie de leurs ravisseurs pour avoir un semblant de vie qui est un tout petit peu meilleur. Ou il y a d'autres personnes qui vont être provocantes, qui vont se, se livrer à une certaine guerre contre leurs ravisseurs, être têtues, et finalement vont devenir, à la fin, si elles réussissent pas, à être amères et à être misérables. Pourtant Esther, le caractère unique d'Esther, et qu'on oublie quand lorsqu'on lit la Mégila, c'est qu'elle comprend très vite qu'elle comprend pas, je répète, Esther accepte très vite qu'elle ne comprend pas comment, elle ne comprend pas pourquoi elle a été envoyée ici. Sarah, le mot Sarah, le nom Sarah, comme je disais en préambule de notre étude, les noms indiquent une certaine valeur. Sarah veut dire ça, un prince, une princesse. Sarah, c'est une princesse. Esther veut dire autre chose. Esther veut dire Astara, c'est la, la Gemara qui nous le dit, Astara Stirpanaï. Un masquage, un voile, un écran, une occultation. Dieu n'apparaît plus. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Le seul livre dans le Tanakh dans lequel le, Dieu, le nom de Dieu n'apparaît pas, c'est la Megillah. Dieu est complètement caché ici. Un couple, une heureuse naissance, apparaît dans leur couple, survient dans leur couple. Ils appellent comment leur fille Camouflage. Ouais, je peux vous assurer quand ils vont avoir le psy derrière. Ils vont leur dire, le psy va leur dire, oui, vous vous sentez bien dans votre peau, ça indique une belle confiance en soi, psychologiquement, ça doit être terrible. Ils n'arrivent même pas à se regarder en face, qu'ils sont en train d'appeler leur enfant, leur fille, petite fille magnifique, camouflage. Esther, pourquoi on nomme nos filles, nos enfants, pourquoi nos parents nous ont nommés ainsi Esther, elle se cache, dissimulée, un voile, Dieu n'est pas là, on ne le voit pas, il y a de l'obscurité ici. Mais là, ce qu'on comprend de l'agmara, c'est que toute la force, toute la beauté, toute la puissance d'Esther réside ici. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Esther Je reprends. Esther, elle intègre un lieu dans lequel elle déclare elle-même qu'elle se sent abandonnée. Elle se dit, elle dit à Dieu, mon Dieu, la route de ma vie représente aujourd'hui un déséquilibre total par rapport à ce que j'espérais auparavant. Ça ne fait plus partie de mon aspiration. Comme disait l'autre, Dieu, je sais qui est le peuple élu, mais de temps en temps, tu ne pourrais pas choisir d'autre on se la chose suivante, bien évidemment, être juif, quelque chose de magnifique, mais laisse-moi tranquille pendant un quart d'heure. Être élu, être choisi, ce n'est pas toujours un avantage. Esther, elle s'étonne. Peut-être que pour l'autre, c'est un grand avantage d'être Esther Amalka. Mais moi, Kelly, Kelly Mazaftani Esther est en train de demander à Kadosh pourquoi tu m'abandonnes Et Esther, elle l'appelle, faites attention. Comment elle appelle Dieu Elle dit Kelly, mon Dieu Voilà ce qu'elle dit à Dieu. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, mais jamais Esther ne se laisse être victime des circonstances constitutives de sa propre vie. Je le répète en français. Esther, elle réalise qu'elle a été envoyée dans un lieu obscur, dans lequel Dieu n'est pas visible. Autre chose est visible, toutes les idoles d'Achrachvioch. Mais elle comprend qu'elle ne peut pas être seule au monde. Achrachvioch ne l'abandonne pas, c'est une chose qui est impossible. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici, Esther elle est en train de se dire la chose suivante, il y a une mission, il y a un sens à ce que je suis en train de vivre. Tout cela semble tragique, difficile, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas encore comment, mais il y a quelque chose ici. Les 5-6 ans qui nous séparent de sa nomination, de son mariage avec véroche et de l'histoire de Pourim qui commence, pendant ces 5-6 ans Esther, elle ne perd pas de vue, elle garde à l'esprit, elle est prête à chaque instant. Quand Mordechai vient lui dire « rentre chez le roi, rentre dans la salle du trône », elle comprend. Qu'est-ce que lui dit Mordechai ?« Miodéa, qui sait pourquoi tu en es arrivé là ?» L'année dernière, ou il y a deux ans, je ne rappelle plus, on a expliqué. Cette phrase de Mordechai était ambivalente. On demande à quelqu'un de donner sa vie pour sauver le peuple juif. On lui dit « écoute, je ne sais pas, tu vas sûrement mourir, mais je ne sais pas si ça va être utile ou pas. » C'est me... Vous êtes d'accord avec moi, c'est le meilleur moyen, le meilleur moyen de, la... de convaincre une telle personne. Mais ce qu'on a vu, c'est que la Chassoud vient nous dire la chose suivante. Dans chais, il dit à Esther, « Myodéa, à certains moments de la vie, il faut s'ouvrir à une dimension qui transcende la conscience, qui transcende notre compréhension. Si je ne fais que suivre mes calculs rationnels, mes calculs terre à terre, je ne peux pas expliquer la situation qui est la mienne. Une jeune fille juive, famille orthodoxe, elle n'a rien à faire dans le palais de la D'ailleurs, aucune autre fille juive. Comment expliquer que cette fille juive, une excellente élève, qui, était, qui avait pour aspiration de finir ses études et d'avancer, Mordechai lui dit à de ici on n'est plus dans de la conscience, on n'est plus dans du rationnel, on n'est plus dans la conscience de l'être humain. Pourquoi on célèbre pour Pourim Comment on célèbre Pourim Vous savez comment on célèbre Pourim On dit Ad Deloyada. Il va falloir dire mardi les Chaïm, Ad Deloyada, de boire, de dire les jusqu'à confondre, perdre cette conscience. Confondre, c'est de D'avoir un état de conscience qui est ici dans un certain déséquilibre. Dans le circuit classique d'une vie, dans, sur la route de la logique humaine, Dieu, il a abandonné Esther. Pourtant, Esther, elle ne dit pas Tu, tu m'as abandonné, elle le dit à Zaftani. Mais elle dit Kelly, mon Dieu, il reste mon Dieu. Esther, elle est en train de comprendre lorsqu'elle rentre dans le palais d'Achajeroche. Dorénavant, la relation qui m'unit à Dieu, elle est tout à fait différente. Un autre être humain, et on est tenté. Par ce qui s'appelle notre psyché, notre ADN, ce qui constitue notre être humain. Et je vais tricher un petit peu ce qu'on a vu dernièrement dans les six derniers cours, par le paradigme, il fallait que je sorte le mot, de notre âme animale, que lorsque ça ne correspond plus à mon chemin de vie et même ma croyance religieuse, alors je suis brisé et je suis dans le désespoir. Esther a dit non. J'ai le droit de dire à Dieu pourquoi il J'ai le droit de demander à quand je je comprends. J'ai le droit de lui dire. J'ai droit de... entre guillemets. J'ai le droit de me plaindre, mais il faut il faut pas se tromper. Il faut maintenant s'élever vers un endroit qui est plus élevé, une dimension découvrir une dimension de l'âme qui est encore plus profonde. Esther pendant six ans elle reste alerte à ce message. Elle comprend pas. Elle sait pas pourquoi. Mais il y a une raison pour laquelle je suis ici. Être démoralisé, déprimé, brisé parce que j'ai été kidnappé, ça ne sert à rien. Akadosh Borrou, il a voulu, pour une certaine raison que je me trouve ici, pendant six ans, elle reste alerte à un certain message. Esther, elle va comprendre très vite que Dieu se trouve au-delà de sa conscience et de la réalité et de la logique de tous les autres êtres humains. À ce moment-là, Dieu, il est, il, est, il est caché, Dieu, il est introuvable. Esther, elle fait comme si de rien. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther elle ne fait pas la reine rebelle, elle vient d'une autre communauté, d'une autre culture, elle n'accepte pas Khashverosh. Pendant six ans, elle est la femme parfaite, la first lady qui correspond à tous les protocoles et coutumes et peu importe quoi qui étaient en vigueur à l'époque. Elle se conduit comme une véritable reine perse. Alex est là pour nous expliquer quel est le sujet. Mais en tout cas, elle organise d'ailleurs même un festin qui était, qui était très à la mode. À un tel point, imaginez-vous, une femme si proche, une femme juive si proche du pouvoir, qui invite Hitler lui-même au festin, elle paraît comme quoi Elle paraît en tant que quoi aux yeux de son peuple Imaginez-vous, entre 39 et 45, une femme juive qui invite Hitler au festin, elle, elle, elle sera considérée comment Par ses semblables Un traître. Et la le dit. À un tel point que les juifs de l'époque la considèrent comme le plus grand traître. Elle invite Aman. Comment elle peut nous faire une telle chose Et la dit, Esther, elle gère, à ce moment-là, elle gère seule le camouflage de l'histoire. Dieu se dissimule, Dieu se cache, et elle gère cette situation-là. Elle est vraiment toute seule. À part Mordechai, à part quelques proches, personne dans l'Empire tout entier ne comprend ce qui est en train de se passer. Esther est en train de nous dire que ce qui paraît comme le lieu de la mort, de la fin du destin du peuple juif va devenir le lieu de sa libération le lieu de sa renaissance et pour l'éternité on va venir célébrer pour elle on va célébrer l'histoire d'une jeune fille juive d'une orpheline rappelez-vous c'est pas une fille qui avait tout pour elle avant qu'haraguerosh la kidnappe c'est une fille qui a perdu son père qui a perdu sa mère avec tout le trauma que cela peut engendrer à un jeune enfant elle souffre Bien longtemps avant qu'elle soit kidnappée par un roche qu'elle soit confrontée à cet homme qui s'appelle ce c'est pas une jeune fille qui avait, comme on dit en français, tout pour elle. Pourtant, c'est elle précisément qui va venir nous dire et nous dire pour l'éternité que, que Dieu va peut se dévoiler bien évidemment derrière ce voile, derrière cette occultation de la main divine. C'est elle qui va venir nous dire la chose suivante et pour l'éternité l'être ne doit jamais être la victime de l'obscurité. Je peux me trouver dans l'endroit avec les plus, grandes, les plus grandes contradictions, difficultés, paradoxes possibles, mais il y a toujours une capacité de pouvoir faire émerger de cette, cette obscurité une lumière qui est particulière. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes nous vivants par l'action d'une femme, d'Esther. Bien évidemment, il y a un aspect des choses d'Esther qui est tragique. Elle est restée la femme d'Arachevéroche. Mais concrètement... C'est grâce à cette femme et c'est grâce à ses, à ses actes, ses actions inédites, inhabituelles dans la vie du peuple juif, elle nous a sauvés jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si à 70 ans en arrière, une jeune fille juive, avec en déformant l'attitude du jeune fille juive classique, va pouvoir déformer le cours de l'histoire tel qu'on le connaît et, et accomplir l'impensable et sauver six millions de juifs. La fin, elle peut être tragique de cette propre femme, mais elle va garder à l'esprit qu'elle a pu sauver l'avenir du peuple juif. Il n'y a plus de souffrance derrière. Alors, Esther, elle demande aux sages il va falloir écrire un livre, il va falloir écrire mon histoire. Alors, les, les, les sages vont lui dire mais ça va créer de l'antisémitisme. Esther dit attendez, les Goïmes, c'est vous qui les connaissez ou c'est moi qui les connais Esther, elle va leur dire c'est moi qui les connais, les antisémites, je les connais de l'intérieur. Ils savent déjà tout au sujet. Et c'est une erreur qu'on va répéter plusieurs fois dans l'histoire, d'ailleurs où certains ne veulent pas dire certaines choses, certains parmi nous ne veulent pas dire certaines choses, ou pratiquer certaines choses, ou montrer de manière ouverte et toujours se respectueuse envers les autres sa, sa fierté d'être juif, en se disant que les autres, ça va venir attiser la haine d'autres personnes à l'extérieur. Esther elle dit, mais attends une seconde, ils savent déjà tout, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont Instagram, ils ont tout ce qui existe à leur époque et à notre époque. Mais permettez aux juifs de connaître leur propre histoire. Les seuls au monde qui pensent habiter dans un pays normal, c'est les Israéliens. Les seuls qui pensent que leur nation est une nation tout à fait classique, les Juifs. Toute personne qui vit à l'extérieur d'Israël, toute personne qui vit à l'extérieur de la communauté juive, sait que ce pays, c'est un pays qui est hors normes, qui est spécial, qui est hors du commun. Peu importe comment on va l'exprimer, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Les seuls qui essayent de montrer qu'ils sont tout à fait comme les autres, Juif. Esther dit mais c'est une erreur. Esther elle vient nous livrer un message qui est vibrant jusqu'à aujourd'hui. Il faut être plus intégré, moins intégré, il faut être plus avec, le, avec la culture dans laquelle nous vivons, moins, etc. Les Chachem lui disent mais il faut, il faut quelque part il va falloir venir ici s'adapter. Esther elle dit attendez, il faut que les juifs de notre époque comprennent, il faut que les juifs pour l'éternité comprennent deux points. Voilà ce qu'elle nous enseigne. Chaque femme, jeune ou moins jeune, chaque jeune fille, doit savoir, dit Esther, qu'elle possède la capacité, elle a la capacité de changer le cours de l'histoire et de transformer l'obscurité en lumière. Trop souvent, une personne se regarde dans le miroir et se sous-estime. Esther est en train de dire la chose suivante inscrivez-moi dans l'histoire. Une jeune fille juive, avec une histoire tout à fait banale, qui n'aurait pas dû apparaître. Comment un Kadosh Baruch a fait que je devienne le pion qui va venir ici transformer, bousculer le cours de l'histoire et qui vient nous dire pour l'éternité que chaque être juif, en commençant par des femmes juives, par des jeunes filles juives et par extension par chaque être juif, vena les mots de la Megillah, venir ici tout transformer, bousculer, que chaque personne soit consciente du potentiel qu'elle possède, de sa créativité, de la puissance sans limite qui est bien évidemment une puissance qui ne vient pas ici écraser l'autre, mais une puissance qui vient transformer en bien de manière positive la vie de chacun et de chacune. Encore un point, Esther est en train de dire la chose suivante. À certaines époques de, notre, de la vie de notre peuple, et à certaines époques de la vie de chaque être humain, on vit des moments de « astir, astir, panay ».« Astir, astir, panay ».« Kadoshbor » où se camoufle, il se dissimule. J'avais l'impression d'être proche de Dieu il y a 10 ans de cela, ou il y a 15 ans de cela. Avec certaines épreuves qui sont apparues dans ma vie, je ressens que Dieu se camoufle, je ne sais plus où il est, je ne le retrouve plus. « Kelly, Kelly, la mazaftani, pourquoi tu m'as abandonné ?» Je ressens de la confusion, je ressens l'incertitude, je ressens que j'ai rien à faire ici. Je ressens que j'évolue aujourd'hui dans un palais qui est plein d'idoles et qui ne doit pas être le lieu naturel d'évolution de l'être juif. Ce n'est pas là où j'ai grandi, Dieu m'a abandonné on se trouve dans ces situations-là, dans des situations émotionnelles, spirituelles, psychologiques, dans lesquelles, à certains moments de notre vie, on regarde le bon Dieu, enfin, on lève les yeux au ciel, comme on dit, et on dit à Dieu, Azaftani, tu m'as. J'ai respecté Torah et Mitvot, ce que mes parents m'ont inculqué. Je l'ai répété à mes enfants, pourquoi tu, tu, tu disparais. Combien d'entre nous rencontrent de l'adversité, des souffrances, de la haine, de la jalousie et elles, elles, elles ressentent, évoluent, elles évoluent avant avec une certaine présence divine. Avant je sentais, peu importe comment chacun va, les mots que chacun va donner, avec cette shrina, il y avait, j'évoluais avec quelque chose, avec quelque chose qui, et aujourd'hui j'étais été kidnappé, j'ai pris de force par quelqu'un qui est tout à fait, ou quelque chose, ou peu importe, qui est complètement étranger, et je suis dans une réalité où le nom de Dieu il n'apparaît pas. D'ailleurs bizarrement, bon, on connaît et on ne réfléchit pas, on a des connaissances, on n'y réfléchit pas. Quel est le livre dans la Torah dans lequel dans le Tanar dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas Megilat Esther, très bien. Viens, on se pose des questions suivantes. Ouais. C'est quoi l'histoire des... c'est la providence divine Comment le bon Dieu Kadosh Barou, il est derrière Bon, ils pendent Amane, ils pendent ses dix enfants, les Juifs, il n'y a pas un Juif qui meurt, ils remportent la guerre mordechai il devient le premier ministre, Esther est la reine, et la Ora, Maïta c'est la fête. Venez mardi soir au Brésil tropical, c'est la fête. Ouais. Il n'y en a pas un dans la Megillah qui a dit un mot, enfin deux mots. Il n'y en a pas un dans la Megillah. Tu n'es pas étonné Parle à un juif religieux, ouais. comment ça va Il te répond quoi Il ne te dit pas si ça va bien ou ça va pas. Qu'est-ce qu'il te dit, Alex bah, ouh, Les affaires, Bauch Hashem et ta femme Et tes enfants Il n'y en a pas un dans la Megillah, il te dit Bahou Hashem Non Vous n'avez pas fait attention à cela Bahou Hashem Non, ils organisent la fête, ils font le festin, Michel l'achmanot, ils font attention etc. Mais Bahou Hashem, Nada gornish il ne se passe rien. Le Harizal nous dit où apparaît le nom d'Akadosh ou dans la Megillah Quand il est dit Yavo ve v'Aman que Esther invite le roi et Aman si on prend l'acronyme, les premières lettres des quatre mots au début de l'invitation d'Esther, on trouve yud le tétragramme, le nom de quatre lettres Kadosh Voilà, nous dit la Riza, se trouve Kadosh Quand on dit Amelar, c'est qu'on parle de Dieu. En fait, quand Esther elle invite Hitler, ces mots-là, c'est yud Mais en fait, c'est toute l'histoire d'Esther, c'est toute l'histoire de ses mères juives, c'est toute l'histoire de ses femmes juives, de ces jeunes filles juives, par extension, tous les juifs jusqu'à aujourd'hui de réaliser que dans les situations les, les plus compliquées, les plus paradoxales pour nous et pour n'importe quel être humain, lorsque je me retrouve dans une situation où je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là et qu'est-ce que je peux faire, pourquoi j'en suis là C'est tout le contraire. J'ai ma vie durant aspiré, rêvé, bâti, j'ai lutté, j'ai fourni beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à certaines choses et là je suis dans une dimension qui est tout à fait autre, paradoxale, contraire. Et je suis en droit de me dire, Kelly, Kelly, la Mazaftani. N'oubliez pas, Esther, elle l'appelle toujours Kelly, mon Dieu. Esther, elle est en train de dire la chose suivante. La dernière chose à faire, c'est de désespérer. La dernière chose à faire, c'est de se sentir brisé par cela. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas comment, c'est normal. Akadosh Borou est ici dissimulé. Mais lorsqu'Akadosh Borou est dissimulé, et ce de manière particulière, c'est la plus grande invitation que Dieu vous fait pour venir chercher une opportunité unique, j'irais jusqu'à dire, une opportunité divine. Il ne faut pas venir ici se délégitimiser, venir se venir déprimer. Esther est là en train de dire, venez, ensemble on va apprécier un moment unique. Bien évidemment, un moment difficile de ma vie, je vais devoir jeûner, je vais devoir prier, je dois devoir faire tchouva, donner la tzaka. Mais tout se passe là. De, tout se passe dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de chaque être humain, de cette manière. Enfin, fait, Esther, et c'est la raison pour laquelle Esther va venir faire en sorte que la Megillah existe, qu'elle fasse partie du Tanar, qu'elle porte son nom. Le Tarnide porte son nom, c'est la seule personne qui, qui jeûne. C'est d'ailleurs la seule personne qui nous accorde tout ce mérite pour gagner la guerre. Pourquoi Parce que c'est la seule qui comprend. Que lorsque Dieu se dissimule un maximum, c'est pour se révéler d'une manière qui était inespérée auparavant. Et la Megillah finit en disant la aita orave En un mot, ce fut un moment, et au présent, c'est un moment, virus ou pas, qui va être un moment d'allégresse, de joie, d'épanouissement pour nous et nos familles, on espère. Que pour chaque être humain sur cette terre, qu'il soit inquiété de rien et qu'on accueille Machiar très prochainement et qu'on puisse dire les Chaim et danser de la meilleure manière qui soit. Merci beaucoup pour votre attention et votre venue ce soir, très nombreux à ce chiot.